Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Lifestyle et Vlog Peu Chou où je me prends absolument pas la tête. C'est vraiment une chaîne où vous allez apprendre à me connaître sans filtre. Yo, la Mif, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog puisque je vous amène avec moi me faire tatouer. Donc on est chez La Griffe Bleue et je vous embarque. Deb qui va donc me tatouer et Red qui va donc vous emmerder. Du coup, on est en train de manger des beignets. Le truc c'est que ça fait tellement longtemps que je le veux ce tatouage que genre enfin pour moi il a une signification tellement forte, ça fait tellement longtemps que je le veux que quand je l'aurai ça va me mouvoir. Stérilisé, à usage unique bien évidemment. Donc on a une aiguille, une buse. Machine. La buse c'est ce qui va servir à tenir l'aiguille en fait dans la machine. Ouais, tu veux plus ça? Ouais, je pense. Après, du coup, ça touche pas trop mes grosses hanches. Mais non, ça va. Le travail va commencer. En plus, je sais. Ah! C'est ça! Mais moi, genre j'ai trop. Quand je suis stressée et tout ça, ça me donne de la diarrhée de ouf tout le temps. Ouais. Pour tout. Pour tout. Alors, non, mais il y en a qui ont mal à la tête et tout. Moi, c'est la diarrhée tout le temps, quoi. C'est incroyable. Alors, quand je suis dans des endroits. Quand je suis chez moi, ça va, tu vois, mais quand je suis dans la rue, des fois, je suis obligée de m'arrêter. Mais là, c'est de faire un tatou. Je vais vous parler de diarrhée. Alors, aujourd'hui, la diarrhée. Tu l'as eu, ça, j'espère. Tu as eu ce super drug. Ouais, aussi, c'est ça, c'est la diarrhée verbale. Plus t'es stressée, plus tu parles. Prête, Léa? Non. Mais j'ai pas trop le choix, là. Ta pose, là, on dirait Brigitte Bardot dans le film Gainsbourg, là, tu sais, avec la courbure, là. Par contre, je suis pas sûre d'être. Je suis pas sûre pour toi, ça va... je vais faire que contracter comme ça. Non, tu contractes pas. Toi, tu bouges pas. Tu bouges pas. Toi, en fait, si tu contractes bien, ça va te faire plus mal et moi, je vais galérer à te tatouer. Donc, faut que tu détendes le plus possible. J'ai mal à 4 sur 10 là, mais là elle est en train de tatouer les fesses donc là je suis pas hyper sereine dans ma vie. Mais à midi je mange McDo, du coup je suis contente. McDo VG. Oui, évidemment. Du coup on fait notre petite pause McDo et faut regarder. Déjà on n'a pas eu les nuggets de Elise. Ouais. Et regardez dans son burger, il y a un pain. C'est une blague, non c'est vraiment une blague là par contre. T'es sérieux, t'as eu que. C'était quoi que t'as pris? Je sais pas, McFirst poulet. Non là c'est par contre c'est une grosse blague. Du coup voilà. Ah mais c'est bon, moi j'aime bien, c'est sec. C'est une passion pour toi.
Non, moi, ça m'est venu quand je me suis fait tatouer, il y a à peu près, je devais avoir 23 ans. Et puis je me suis dit, pourquoi moi je le ferais pas. Ça m'est tombé un peu par hasard sur le coin du visage. J'ai commencé à tatouer il y a quelques mois, je suis vraiment novice encore. Hein, et c'est vrai que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était dessin, art, création, nanana. Et depuis qu'on a créé la Griffe Bleue, j'ai toujours voulu m'essayer au tatouage. Et finalement, la première fois que j'ai tatoué, c'est vrai que ça m'a vachement plu. Je pense être moins passionné que Del. Del est vraiment, vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Trop mignonne. Oui. Alors nous on n'accepte pas de tatouer les mineurs. Non. Même avec un adulte. Même ouais. En présence d'un adulte. En France à partir de 16 ans c'est autorisé de tatouer les mineurs avec présence d'un adulte. Mais pour nous on ne le conseille pas parce que tout simplement on estime qu'à 18 ans on est déjà très jeune pour se faire tatouer. Ouais. On ne sait pas encore qui on est. Et puis on estime que voilà... Même l'accord des parents, enfin les parents ils ont pas à avoir une vue sur le fait qu'on se fasse tatouer ou non. Ça justifie pas, c'est ton corps, tu dois te l'approprier avant de pouvoir te tatouer en fait. L'âge idéal c'est, après c'est toute une question de maturité, c'est pour ça qu'il faut venir discuter avec son tatoueur généralement. Parce qu'il y a des gens à 18 ans qui vont être très matures pour se faire tatouer et des gens qui vont juste vouloir un tatou pour avoir un tatouage. Ouais, un peu comme la chirurgie esthétique. Exactement. Bon. On est un suivi psychologique. Oui, après ça, on le voit assez rapidement. Si les personnes veulent avoir un tatouage juste pour avoir un tatouage, ils vont proposer des idées qui sont assez communes, qui sont vraiment à la mode. Donc ça, c'est vraiment... on déconseille parce que tu te fais pas tatouer pour montrer ton tatouage. Tu te fais tatouer pour toi-même déjà. Alors, en cicatrisation, donc les soins, etc. à apporter après le tatouage, c'est entre un mois et un mois et demi. Et après, un tatouage en tant que tel, c'est plutôt un ou deux ans de cicatrisation complète. C'est pour ça que pendant, surtout la première année, il faut faire attention à tout ce qui est soleil, etc. Mettre de l'indice 50, vraiment prendre soin de son tatou, surtout par rapport à tout ce qui est UV. C'est vrai que ça va avoir tendance à faire éclater le pigment. Donc on déconseille fortement le soleil pendant 2 ans, indice 50. Alors, tout ce qui est douleur, ça va dépendre un peu d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont pas avoir très mal et il y en a qui vont avoir très très mal. Donc malheureusement, on peut pas dire à quelqu'un tu vas ressentir telle ou telle douleur là, sur l'échelle de l'indice. Après, il y a des endroits qui sont douloureux, c'est sûr, comme les côtes, les genoux, tout ce qui est articulation, proche des os et des tendons. Quoi. Le dos, et puis plus la peau va être épaisse et dure, et non fine, plus tu dois piquer profondément en fait. Ah ouais. Et donc c'est pour ça que le dos c'est particulièrement... les gens disent que c'est vachement plus douloureux. Alors comment bien choisir son tatouage? Faire des recherches. Déjà oui, se renseigner. Faire des recherches, se renseigner sur la personne, voir comment elle travaille, dans quel cadre, pour que ce soit vraiment... Il y a des normes à respecter quand tu tatoues, bien entendu. Je parle d'hygiène, si c'est un tatoueur qui tatoue chez lui, par exemple, il faut oublier, il faut pas le faire, même si c'est moins cher. Parce que bien souvent, c'est un gage de mauvaise qualité. Quoi. Même si tu tatoues très très bien, tu prends pas le risque d'aller chez une personne pour faire tatouer. Enfin, chez lui, s'il n'a pas le cadre approprié. L'acte de tatouage, c'est pas un acte anodin, c'est pas comme aller s'acheter un jean au Monoprix. Donc, on fait pas ça dans sa cuisine sans notion d'hygiène et tout. Mais moi, je précise juste que je m'étais fait un tout premier tatouage à l'époque, pour ceux qui ont suivi un peu mes vidéos de tatouage. Je pense que chaque tatoueur a son univers et qu'il faut pas prendre le premier tatoueur qui passe, il faut connaître son univers parce que je pense que moi je me suis retrouvée avec un tatoueur qui voulait absolument pas faire le tatouage que je voulais, il me l'a fait à l'arrache en mode c'est fait et donc il faut trouver chaque tatoueur à son univers. Il y en a qui vont être plus dans les tatouages réalistes, dans les tatouages tribales, dans les tatouages comme toi qui sont vachement plus artistiques et ainsi de suite. Et le mieux c'est quand, moi je trouve que le mieux c'est quand le tatoueur décide lui-même ce qu'on propose, ça, parce que comme ça il connaît bien. C'est ce qu'on fait pour chaque client, on redessine à chaque fois les projets. Et ce qu'on accorde une grande importance, c'est le fait qu'on rencontre justement les gens avant le tatouage, pour savoir pourquoi ils veulent le faire, quel style ils ont choisi, pourquoi ils nous ont choisi.
Et voilà, s'il y a quelqu'un qui nous demande quelque chose qu'on fait pas, on dit non tout simplement, ouais, parce que ça nous... Ouais, quelque chose qu'on estime pas bien, soit pour lui, voilà, ou pour nous, soit de manière inintéressante, bah ouais, voilà. Il faut qu'il en baille les deux, en fait. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même un feeling, ouais, entre la personne tatouée et le tatoué. Une alchimie, une espèce d'osmose. Je passe quand même à peu près toute la journée 8 heures avec elle et avec lui aussi, donc si ça se passe mal, c'est vraiment 8 heures super long. Déjà que je souffre un petit peu, alors là... Non, elle est assez courageuse quand même. Ça va. Moi, j'ai les deux cuisses tatouées, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai notamment perdu plus de 15 kilos à un moment donné, mais ça n'a rien changé le tatou. Après, bien évidemment, si on a des vergetures, etc., qui éclatent au niveau du tatouage, là, bah, il peut y avoir une perte d'encre. Ouais, ça c'est sûr. Mais après, on peut retoucher le tatouage. Toutes les encres sont véganes. Voilà, on aurait pu faire entendre. Enfin, les encres qui sont autorisées en France, en tout cas, on a des grandes normes de... Par exemple, en Angleterre et tout ça, on va avoir des encres qui ne seront pas autorisées en France. Donc, c'est très réglementé de ce côté-là, et toutes les encres sont véganes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et est-ce que c'est genre toxique ou cancérogène? Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait des tatouages. Pour donner des cancers aux gens. Non, les encres fluo, ce n'est pas autorisé en France. Non. Pour le coup, en France, on est quand même plutôt pas mal réglementé. Exactement. Ok, donc je ne vais pas. Si les tatoueurs respectent les réglementations françaises, ce qui n'est pas le cas de tous les tatoueurs, bien évidemment. Mais on n'a pas de risque. Ouais. C'est bon, je peux avoir confiance. Rien n'est toxique. Après, les gens peuvent faire des allergies, bien évidemment. Qu'on peut pas savoir à l'avance, mais c'est souvent lié aux couleurs, généralement le rouge et le vert. Le noir, c'est très très peu probable de faire une allergie. Ronde là, c'est non, comment? Ça va pas, non, non. Là, j'ai mal déjà, donc vous imaginez pas ce que ça va être quand on va m'appuyer sur où j'ai mal. C'est comme vous avez une croûte et on vous rappuie sur votre croûte. Non, une croûte que t'arraches. Voilà. Une coûte que par oui, c'est un peu gonflé, c'est ça? Ah, un petit peu beaucoup, ouais. Bien sûr, tout de suite, je me lave les mains, j'arrive tout. Bah, on voit un petit peu le relief. Voilà. Exactement, la cuisse. Bon, bah, bonne chance, Léa. Merci. A tout de suite. I'm in my Converse shoes, ain't nothing to lose. Moi je veux juste dire un truc, les gens qui disent oui moi j'aime bien la douleur des tatouages alors qu'ils ont des tatouages qui durent une heure max voire deux heures grand max, vous savez pas ce que c'est la douleur du tatouage, ok? Parce que ça... Night's still young and there's still so much to do. Oh, and I never never felt so cool. I never never felt so cool. I'm in my Converse. Je suis éclatée, il reste encore une heure, on va faire la boule magique. Comme vous allez mettre un pouce là pour cette vidéo, c'est certain, voilà, c'est la boule magique. Vous devez liker la vidéo, c'est sûr et certain, parce que là je suis dans un état, c'est un gros tatouage. Là on est à 5h30 et il reste encore une heure. Donc là, Léa, elle va reprendre. C'était sa dernière pause. Elle a fait deux pauses en tout. C'est trop chelou parce que je suis rouge en dessous, là. C'est normal? Oui. C'est normal. Ouf. Là. Bon, mon loup, il a la rougeole. Ça te fait mal même quand on fait ça? Non, c'est juste que c'est super froid, ça. T'as une petite anecdote sur les dots ou rien à... Une anecdote sur les anecdotes. Alors, une explication, je sais pas, non. Une anecdote. Il y a pas vraiment d'explication, c'est du point par point, c'est-à-dire au lieu de faire des traits. D'accord. Voilà. Don't you do it, this flower's not a tulip. Something just to ease your mind, trying to seduce it. I'm the coolest to write a jam like this. Mike stays the hit, none of my exes let me trip. But now I'm on a trip to the moon, yeah. Watch me fall into the sunshine. My laces will untie while I unwind. I feel I lost my way. And last night was a myth, if it's all gone today. I'm in my Converse shoes, ain't nothing to lose. The night's still young and there's still so much to do. Léa, oui. Du coup là mon tatouage il s'est fini, il est quasi 21h, j'ai mis 7 heures de tatouage. Voilà, c'est sur ce que je conclue ce vlog. À la cuisine, voilà, n'hésitez pas à les rejoindre sur les réseaux sociaux, ils font un travail fou, moi je vous les conseille vraiment pour le coup. Voilà, c'est des gens, enfin en outre d'être bon tatoueur, c'est des gens avec qui je m'entends super bien, enfin
grave avant le délire, et enfin c'est 7 heures avec des personnes avec qui vous entendez pas, c'est un peu la merde, là on a vraiment bien rigolé. Donc voilà, sur ce je conclue ce vlog, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce l'air des familles. Et sur ce je vous dis à bientôt, ciao.